comptez beaucoup sur la coupe qui était des... Nous allons immédiatement interjeter appel et monsieur est par conséquent toujours présumé innocent. Le tribunal de Versailles a rappelé à monsieur Quiry qu'en France c'était la loi républicaine qui s'appliquait, que la loi de 2010 sur le voile était une loi qui rendait le port du voile, qui transformait le port du voile en une infraction pénale. Donc le fait de porter un voile intégral aujourd'hui en France, c'est être un délinquant, ça s'appelle comme ça. Donc le contrôle de police était parfaitement justifié au regard des dispositions du code de procédure pénale. À partir de là, ni monsieur Quiry ni son épouse n'avaient le droit d'outrager les policiers, de se rebeller et encore moins de leur porter physiquement atteinte à leur intégrité. Nous attendions une peine de prison ferme, car quand on agresse, quand on insulte des policiers, c'est en prison que l'on doit dormir et sûrement pas le soir à la maison. Voilà. Donc, nous sommes déçus, nous attendons en effet une peine de prison ferme. Voilà.